renforcer le contrôle aux frontières, lutter contre l'immigration clandestine, eh bien la solution viendra peut-être de la task force qui a été annoncée la semaine dernière par Michel Barnier et Bruno Retailleau. En voyant nos hommes politiques aux postes frontières de Menton et Vintimille, j'ose espérer que le continuum soit mis à contribution pour la mise en place de cette mission. Même si la feuille de route n'est pas encore détaillée, le ministre de l'Intérieur a évoqué la création d'unités interministérielles plus la mise en place d'une force frontière qui s'appuierait sur tous les moyens disponibles mobiles. Une force qui serait ensuite généralisée à d'autres points de passage. La gendarmerie, la police, la PAF, les gardes-frontières, les agents de sécurité privée, sans oublier Frontex, les moyens disponibles ne manquent pas. La Suisse a eu recours, elle aussi, au privé pour contrôler ses frontières avec les agents de la Securitas. Le continuum de sécurité a donc toute sa place dans ce dispositif. Il a fait ses preuves lorsqu'il s'est agi de sécuriser les Jeux Olympiques et d'être sur les lieux de passage les plus sensibles. Alors je me dis que oui, effectivement, c'est pour lui une vraie opportunité.